Alors la mission mécénat de Bordeaux Métropole accompagne les archives de Bordeaux Métropole pour le lancement d'une collecte, d'un appel aux dons pour la restauration de trésors, d'architecture et d'archives, puisqu'il s'agit des dessins originaux du Grand-Théâtre de l'architecte Victor Louis. Donc nous allons lancer cette campagne à travers un site de crowdfunding qui s'appelle D'Artagnan. La campagne sera lancée à partir du 18 octobre. Elle va avoir une durée assez courte, de 45 jours. Ce sont aussi des contreparties que nous souhaitons offrir aux donateurs, c'est-à-dire la possibilité d'être au contact le plus proche du projet, c'est-à-dire venir visiter les archives, visiter le site de restauration des dessins, rencontrer les professionnels qui vont travailler sur ce projet, venir aux événements, aux expositions des archives, mais encore bien d'autres possibilités pour les donateurs, ce qui nous permet de faire vivre le projet pendant toute l'année de restauration 2019. C'est-à-dire que l'idée, si vous voulez, c'est de diffuser au plus large public les fonds d'archives qui sont sur papier, hein, en les numérisant. Et donc nos efforts en ce sens ont commencé en 2014 avec la création d'un site internet propre aux archives et la numérisation de l'ensemble de l'état civil ancien de la ville de Bordeaux, de l'ancienne commune de Codéran, donc un état civil qui remonte au XVIe siècle et qui va jusqu'à 100 ans. Alors il s'agit d'un ensemble de 70 plans et élévations qui fait partie d'un portefeuille de l'architecte Victor Louis. Ce sont des dessins originaux qui ont été en fait donc dessinés par cet architecte et qui présentent les différentes étapes de la construction du Grand Théâtre. Alors malheureusement ces 70 dessins ont subi un incendie très important en 1862 lors de l'incendie des archives qui se trouvaient alors à l'hôtel de ville au Palais Rohan. Donc immédiatement après l'incendie, un atelier de reliure est créé au sein des archives et des consolidations vont être faites sur ces différents documents. Alors il y a à la fois donc des liasses et des registres et puis il y a aussi ce recueil unique qui présente ces différents dessins. Le problème c'est qu'aujourd'hui ces interventions qui ont eu lieu précédemment se dégradent lentement et donc il est important d'agir et de restaurer ce portefeuille de dessins parce que les matériaux employés précédemment se sont dégradés, parce qu'ils présentent des traces de gondolements, des lacunes et des déchirures qui nécessitent une intervention d'urgence.